puisque vous êtes une des seules à avoir écrit un livre autour de cette table. Il y a Valérie Benaïm, il y a Gilles Verdez aussi. Qui a écrit un livre à part par les deux? Vous, Jean-Michel Maire, vous avez écrit un livre? J'en ai écrit trois. Vous avez écrit quoi? Un livre sur les palaces parisiens, un livre sur les bébés, un livre sur le mariage. Ah, c'est vrai, sur le mariage. Je me suis marié une fois. Ah oui, d'accord. Donc j'ai raconté des trucs et astuces pour, voilà, pour les jeunes mariés. Et vous, Isabelle, ça a bien marché. Ça a bien marché, ouais. Ouais. Moi, j'ai écrit un roman historique. Ouais. Et le livre d'ordre Plus belle la vue. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est bien. Alors, Nabila, voici la question. Sur 15 ouvrages célèbres de la littérature française, combien de titres Nabila peut-elle compléter correctement? Un seul titre, entre 2 et 5 titres, entre 6 et 10 titres, ou plus de 10 titres, sur 15. Sur 15. Je lui donnerai le début, elle devra donner la fin de l'ouvrage. Et là, on va voir. Nabila, vous pouvez voter aussi pour vous. Hein. Non, elle est déprimée. Zéro. Il n'y a pas zéro, alors j'ai mis un. D'accord. Non, mais alors, vous jouez le jeu, bien sûr. Nabila, venez avec moi, on va s'installer là-bas. Attention, c'est parti. Attention, Nabila, 15 titres, vous devez les compléter. Attention, Alphonse Daudet a écrit les lettres de mon. Non. Yeah. Oh, faites pas ça, Alphonse Daudet, pas lui, je l'adore. Bah, moi, je participe, hein. Oui, mais bon, alors, le rouge et... Le noir. Oui. La comtesse de Ségur a écrit les malheurs de... Sophie. Oui, bien sûr, c'est bon. Charles Baudelaire a écrit les fleurs du... Niagara. Les fleurs du mal. Molière a écrit le bourgeois... Gentil gars. Le bourgeois gentil gars, c'est magnifique. Le bourgeois gentil... Non, le bourgeois gentil homme. Ne faites pas exprès, Nabila, franchement. Non, OK. Attention, Marcel Pagnol a écrit la gloire... La gloire ou la mort? Non, la gloire de mon père. Beaumarchais a écrit le barbier de... Barbès. Le barbier de Barbès. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Ah oui, ça brûle bien, je trouve. Ça sonne bien, ben oui, elle trouve des bons titres. L'autre, il est magnifique. Elle trouve des bons titres. La Fontaine a écrit la fable, le lièvre et la... Tortue. Bien. Dostoïevski a écrit crime et... Passion. Châtiment. Flaubert a écrit Madame... De Frontenay. Non, Madame... Madame Bovary. Hemingway a écrit Le vieil homme et... Sa mère. C'est la mère. Je le prends, je le prends. Merci. Franchement, je le prends. On le prend, on le prend. Okay. Tolstoï a écrit Anna... Conda. Anna Karénine. George Orwell a écrit 1900... 80. 4. Sun Tzu a écrit l'art de la... Poule. L'art de la guerre. Et enfin, Maupassant a écrit boule de... Sucre. Boule de... Sucre. Boule de sucre. Mais ils essayent de me souffler, j'entends rien. Arrêtez. L'autre, regardez, là, il y a Fares de Rabbi Jacob, là, qui veut... Ça y est. Il y a Fares de Rabbi Jacob, il veut souffler, mon frère. Non, rigolez. Et non, c'est boule de suivre. Bravo, Nabila. Bravo. Eh, pas mal. Franchement, eh. Moi, le bourgeois gentilgat, faut le prendre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le bourgeois gentilgat, faut le prendre. Ah ouais. Le bourgeois gentilgat, ouais, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Le bourgeois gentilgat, j'ai presque envie de le prendre. Mais vrai. Franchement, eh, Nabila, c'est plutôt bien débrouillé. Ah ouais. Je sais pas ce que vous en avez. Très bien. Vous en avez pensé? Des réponses, ouais, on a bien. Pu voir l'imagination. Ouais, Nabila, non mais franchement c'est vrai parce que vous en êtes jamais caché, vous lisez pas beaucoup, mais c'est pas... Non. Voilà, vous pouvez vous y mettre quand vous voulez. Moi j'ai un vieil adage qui dit lire c'est refuser de mourir. Mais voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nabila a marqué 4 points. Eh bien la seule à avoir donné la bonne réponse, même vous n'avez pas donné la bonne réponse sur non, vous, j'ai Nabila, dit un seul. C'est Valérie Benaïm. Ah, ah, oui. Merci. Valérie Benaïm. Bravo Valérie.